David Pouget qui est bien parti, mais c'est de la corde en fait qu'on va virer en tête. Et... wow, gros accrochage derrière. Alors ça. Il attaque, attention, de Benoît Castel au bout de la ligne droite, par l'extérieur. Bien. Regardez. Très belle attaque de Nicolas Mignon. Ah là là, quel talent. Oh là là, là, là. Encore un accrochage malheureusement. Et puis, oh, hop, contact, hop, hein. Contact entre les deux. Ah, c'est pas souvent, hein, contact entre les deux, on n'a pas perdu de temps. Et on en gagne pour le pilote qui va se glisser à la corde. Ça serait Thibaut aussi, ah, quand même. Ah, oh là, attaque de Thibaut Bossi. Ah, Bossi qui s'empare de la première place. Ah, joli, hein, Thibaut. Mais la course, c'est une course un petit peu bizarre, un peu comme tout le monde. On a eu deux safety cars, pas mal d'arrêts de course. Mais bon, en partant 6, j'ai réussi à bien prendre comme il faut les restarts de chaque safety pour gagner des positions et gagner la dernière dans la position dans le dernier tour sur Nico. Donc je suis super content de cette première victoire. Une course un petit peu particulière aujourd'hui avec deux safety cars qui ont raccourci effectivement le temps de course. Donc j'ai juste eu à gérer en fait cette fois-ci, j'ai bénéficié en fait d'un petit état-queue de Mika, donc j'ai gagné une place. Bon voilà, je lui dédie cette victoire parce que je pense qu'il l'a mérité un petit peu aujourd'hui, voilà. Bon, la course s'est plutôt bien déroulée, on a eu deux safety cars. Je partais en première ligne, en tête du classement junior. J'arrive à arracher la première place dès le départ au premier virage. Bon après on a eu une piste qui était assez sale, donc j'ai perdu tout de suite 2-3 positions au bout de la Adélaïde, quoi. Et bon, safety car dans le premier tour. Deuxième restart, avec un peu de difficulté, on avait des sangs chauds bouillants derrière nous. Mais bon, l'objectif c'était de gagner la catégorie junior, c'est fait. Donc je suis très content de ce week-end et on est tous hyper heureux.